international dans tout pays du monde côté et a pensé spécialement à contraception, à défis qui viennent pour contraception dans le monde et spécifiquement nous-mêmes en Haïti. Donc ProFamille comme une organisation qui est même dédié école à la santé sexuelle et reproductive, qui dédié école pour promouvoir droits sexuels et reproductifs de toute population. Il était important pour nous marquer journée ça, pour nous parler de accès qui manquait à méthode de contraception dans le pays. Nous avons parlé que nous seulement gain condom masculin, pilule avec injection et même ça y a souvent dans la rupture de stock. Donc nous devons parler de accès à pour moun le arrive dans la clinique pour joindre facilement méthode et puis tout pour accès élargi à moun qui jeune yo parler tout dans journée pour yo dit que yo besoin service et yo besoin le vinnement des services là pour yo pas juger yo pour yo pas discriminer yo. Et c'est seuls gens que nous avons en population côté nous pas bien des une série de monde qui grosse sans yo pas vle qui fait du tout potentiel yo et des fois même perdu la vie yo pour retirer un petit monde avec des moyens de charlatan takati. Contraception c'est vraiment un moyen pour qu'a choisir si ou bien si ou pas vle fait petit monde et qui l'offre le fait petit monde parce que nous toutes pratiquement tout le monde, pas dire tout le monde, mais nous toutes nous avons une vie sexuelle et une fois que nous avons une vie sexuelle, nous avons des capacités pour nous, pour femmes, messieurs, des capacités pour les ancêtres, les filles, des capacités pour les financer. Donc, contraception, c'est un moyen qui existait justement pour capable vivre une vie sexuelle ou sans ou pas enceinte. Il y a plusieurs méthodes, il y a des méthodes qui sont naturelles, tant pour compter jour, tant pour vérifier température, vagin, caille, tant pour voyer dehors pour garçon, il y a plusieurs façons naturelles, tant pour baïteté exclusivement pendant 6 mois. Toutes méthodes ça qu'on utilise pour pas faire tout le monde. Mais méthodes ça disons que au moins efficace que ça y aurait les méthodes modernes. Que méthodes modernes, nous gagnons grainement, nous gagnons piqui 3 mois, et nous gagnons des autres méthodes qui durent plus de temps. Tant pour des dispositifs intra-utérins qui a duré jusqu'à 10 ans, tant pour implants qui a duré 5 ans, et puis des méthodes point final, méthodes définitives, tant pour ligature, trop caille, mesdames, et puis ça y aurait les vasectomies pour messieurs. Méthode planning, il n'y a pas efficace à 100%. Seule méthode qui est efficace à 100%, c'est méthode point final. Ça veut dire ligature, trop. Pour mesdames, yo, qui sont opérations que vous faites pour couper trop matrices, ou bien ça y aurait les vasectomies pour garçons. Ça, c'est une méthode qui est définitive, ça y aurait les méthodes pour finale. Toutes les autres méthodes n'ont pas efficace à 100%. Même si vous êtes efficace à 99%, c'est un coup de mais yo pas efficace à 100%, ou cas quand même, ou grand chance, même si c'est une chose tout petit, pour qu'on enceinte avec. Toutes méthodes sont efficaces, mais elles ne sont pas fiables à 100%. Ça veut dire, par exemple, graines, sur 100 femmes qui prennent graines pendant une année, il y a une qui prend enceinte dans l'année. Et c'est comme ça, chaque méthode, elle gagne en marge comme ça de risque parce qu'elle n'est pas fiable à 100%, m'a répété. Seul ça qui est fiable à 100%, c'est méthode point final. Point final, c'est qui ça? C'est ligature trompio. Pour mesdames yo, et puis vasectomie pour messieurs. En Haïti, effectivement, même si la majorité de monde, pas seulement mesdames, messieurs, tout connaît que il y a une méthode qui existait pour qu'à planifier et pour qu'à réguler la capacité pour faire petit, ok? Mais quand même, il y a un pile rumeur, il y a un pile faux information qui a circulé, qui a fait que en pile monde même si vous connaissez, vous pas utiliser. OK? Donc comme vous pas utiliser pour raison de santé, vous pas utiliser pour des raisons religieuses, vous pas utiliser pour plusieurs genres de rumeurs qui existaient. Nous-mêmes nous fait éducation sexuelle dans clinique yo, côté nous expliquer qui est fait secondaire chaque méthode.
pour moun yo pas penser que c'est par exemple yo pas un stérile tout le monde pense que méthode ça yo un stérile c'est pour ça que un pile moun c'est là yo fin fait petit yo pas le prendre alors que yo te ka utiliser pour yo te espacer ti moun yo yo pas un stérile yo pas ba infection OK bien certains effets secondaires que yo ka expliquer pour chaque et pour chaque méthode mais ça c'est dans information dans communication avec public là et avec client.